Salut tout le monde, comment nous y est? Moi j'espère que vous bien avec bon Dieu. C'est un plaisir encore pour nous revenir sur la chaîne pour la qui c'est Piano Harmonique. Nous allons partager avec vous un tutoriel sur un chant adoration. Donc nous connaissons que Bichette c'est pour ça. Nous allons partager avec vous dans 271 français chant d'expérience qui dit gémissant sous l'esclavage. Tout de suite nous allons venir avec un tutoriel ça pour vous. Donc juste avant que nous commencions, nous allons demander excuses à tout le monde. Et parce que nous faisons un petit temps, nous pas voir les vidéos, donc c'est pas faute nous par rapport avec le temps, avec quelques occupations que nous gagnons, nous pas de temps pour nous voir les tutoriels. Donc, moi, je vais excuser nous ça. Nous profitons du temps pour nous remercier tout le monde qui abonne à la chaîne, qui toujours supporte le travail, qui toujours like vidéo nous, ça fait nous toujours plaisir. Ou même qui va suivre nous, qui aime le travail nous à faire. Par exemple, notre moyen pour nous faire ça, c'est juste bah, nous un like, comme ça que la vidéo va couvrir plus devant et plus on a bénéficié de tutoriel ça. Donc, à tout de suite. Voilà, on va directement dans le tutoriel. Nous. Comme d'habitude, on va chanter pour vous, mais après ça, on va suivre avec nous. Et puis, on va venir avec explication tout à l'heure pour vous. Donc, chant ça. Donc, on va jouer le premier couplet avec le refrain. Et comme ça, que vous même capable. Et jouer restant couplet qui c'est même bagaille là, encore une petite modification là-dedans là, si vous voulez, mais c'est presque même bagaille là, oui. Donc c'est vous même vous qui va faire petit changement, tout dépend de vous même, tout dépend de niveau. Ok, suivez avec nous. J'ai mis ça sous l'esclavage. Ok, de manière simple, nous jouons ça et nous jouons sous gamme de Ré majeur. Et il y a un peu de monde qui est habitué avec seulement Do majeur, donc nous essayons de jouer. Nous jouons un peu de chant sous l'autre gamme, mais nous jouons un peu de tutoriel sous gamme de Do majeur, donc ça permet que y a un peu de monde qui doit gâter. Donc nous jouons ça sous gamme de Ré majeur. Donc Ré majeur, donc fait un petit rappel pour le monde qui vraiment qui débutant dans piano, qui pas connaître gamme de Ré, nous montrons lui. Gamme de Ré, c'est même bagarre avec Do majeur, si vous connaissez Do majeur. Donc, comme ça, tout ce sont nous ne connaissons pas du tout, pas contre Do majeur, ou pas contre gamme de Do majeur, ou pas contre accord majeur, mineur, etc. Vous êtes capable d'aller dans la description, cliquer sur une playlist que nous faisons, qui montre comment vous êtes capable, même si vous êtes tout chaud, vous êtes capable de commencer à regarder cette vidéo pour capable de débuter. Okay? Donc, même si vous êtes ça en paraît difficile pour vous, eh bien, vous n'avez pas besoin de gagner des vidéos qui sont adaptées pour vous-même. Ok? Donc, nous avons parti. Ok? Notre qui fait partie de gamme de Ré majeur, c'est Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse et puis Ré. Ok? Donc, nous comprenons ce plan déjà. Tout premier accord, c'est accord majeur. Deuxième degré, troisième degré c'est mineur, sixième degré c'est mineur, ok? Mais 1, 4, 5, 3 degrés ça est qui c'est majeur. Donc, tant pour là, qui c'est accord de Ré majeur. Ré majeur, note qui composé c'est Ré, Fa dièse et puis La. Mi mineur. Qui c'est deuxième degré dans la gamme de Ré majeur. Notre qui composé c'est Mi, troisième degré Sol,
fa dièse mineur ou bien sol bémol mineur. Note qui compose le c'est fa dièse, la, fa dièse, la, et puis do dièse. Ok? Qu'on y a la quatrième accord qui n'en gamme, non? Qui c'est sol majeur. Note qui compose le c'est sol, si, ré. Cinquième accord qui n'en gamme, non? C'est la majeur. Note qui compose le c'est la, do dièse, et puis mi. Sixième accord, c'est un accord mineur. C'est si mineur. Note qui compose le c'est si, ré, et puis fa dièse. Ok, septième accord, c'est un accord diminué qui c'est do dièse diminué. Note qui compose le c'est do dièse, mi, et puis sol. Voilà, en quelque sorte, les sept accords de base qui composaient cet accord qui n'a gamme. Donc, qui a mes principes premier à premier degré, quatrième degré, cinquième degré, qui est majeur, et puis deuxième, troisième, sixième, mineur. Donc, principe ça arrive à la blosse vraiment. Débutant, mais lorsqu'on commence à avancer, surtout lorsqu'on est dans le gospel, des fois deuxième degré ou troisième degré, nous on fait au majeur. Donc, il n'y a pas de principe exact, parce que la musique là, c'est comme ça, qui est statique, lié, avec qu'il n'y a pas arrêté en une seule position. En fonction de qui style ou à jouer, des fois, on va varier. Ok? C'est comme ça. Donc, nous allons partir directement dans le chant que nous-mêmes nous gagnons. Qui chante le parti, c'est J'ai. Premier degré, gémissant sous esclavage. Va jouer, nous fait troisième degré à mineur. Ou bien tout ce que nous avons fait, nous avons toujours fait premier degré à premier renversement à main droite, et puis nous fait tiers à la basse. Ok? Mineur, tout dépend de goût, souvle fait mineur, on fait mineur, on fait fa dièse mineur, ou bien capable, au lieu que ça change là, c'est do dièse là. Laissez fa dièse mineur, on fait c'est do dièse. Laissez ré majeur, ou fait, au lieu de faire do dièse là, on fait ré. Ok? Mais tout de sonne bien, on capable de faire lorsque, surtout le bras sous 4 là. Ok? À nous aller. Gémissant sur l'esclavage. Dans. Quatrième degré, là, qui c'est sol majeur. Dans la sombre, là, qui c'est deuxième degré, là, mineur. La sombre. Ok. La majeur, cinquième degré. Moi, je fais deuxième degré encore. Amireux et courage. Je dois arrêter sous deuxième degré avec sol mineur. Courage. Cinquième degré, la majeure. Déjà l'aube lui. Ré majeur. Il y a nous pas le point, le refrain qu'on y a. Oh, joyeux espérance. Avant que je fasse 4e degré, je fais 1er degré à 7e. Je vais me faire 7e. 7e dominant. Là, je fais 7e dans la de manière et simplifiée. Au lieu que je fasse la 4 douettes. Au lieu que je fasse la 4 douettes, je fais avec 3 douettes. Ok? Oh,
pour me faire simplifier, je seulement, ok, je fais un ton avant notre fondamental là qui c'est ré, et puis je toujours kembe basse moins, les vins fait moins, septième, je fais un accord septième, simplifie. Donc ça c'est pour le monde qui a une difficulté, pas capable de faire. Bon, on va faire une note là avec tous les 7 vertus. Et des côtés, les plus faciles pour faire comme ça. Voix. Là, dans la voix si là, nous faisons 4e degré. Sol et sol majeur. Voix. Si la délivrance. On va retourner sur le 1er degré. Nous, ok, je fais sol majeur, 4e degré. Nous connaissons la puissance. Dans la puissance là, nous faisons 3e degré, qui c'est fa dièse mineur. La puissance. Puissance, nous faisons si mineur, ou bien capable de faire si mineur 7. Ou plus. Ok, pour plus capable plus pipe là, si que vous sont avancés, ou bien on fait mineur simple, on fait mineur 7. Mineur 7 là, c'est seulement pour faire un ton avant. Ok? Un ton avant, ça c'est demi-ton. Ça c'est si, demi-ton, un ton. Ok? On fait un ton avant, et après ça, on kembe. Si y a avec main gauche là normal ou bien capable de faire comme ça, ok, il fait 6 minus 7. Je reprends. Nous connaissons puissance, ok, de notes là nous fait 2e degré. De notre grand 5e degré, la majeure, de grand libérateur. Ok? Et nous, qui ça me fait là? Me fait ça, oui, en anglais, oui, ça, walk up. Walk up, c'est lorsque vous pouvez aller sous un degré et puis où aller. Et yon façon de capable di et ok ou aller ou pas sauter degré. Sou pas sur 4e degré, ou fait 1, 2, 3, 4. Ou qu'on pas aller directement sur le premier ou tout aller sur 4. Ok? Ou fait ni 2e degré ni 3e degré comme yon accord de passage avant que ou arrive sous 4e degré. Yon voulait ça walk up. C'est comme ça que l'on marche, on est capable de faire une façon ascendante lorsque on saute sur le premier ou pas sur le quatrième, ou bien quand on saute sur le quatrième dans tout, ou pas sur le premier à tout, ou faire le descendant. On est capable de faire comme ça, tout dépend de qui chante, qui possibilité qu'il bat. On va aller là, l'arrivée sur ça. Libérateur, premier degré, deuxième degré. 2e degré, 3e degré, et nous, 4e degré, sol majeur, vous disons confiance, 3e, confiance, 6e, donc il est toujours facile lorsque vous faites 3e degré et vous faites 6e dans l'après. Donc, il marche très bien lorsque vous faites 3e degré ou 6e dans l'après. Donc ça c'est un enchaînement qui vraiment marche bien. Ou commence on va faire 3e, 6e. Le plus souvent 3e, 6e marche. 6e, 3e tout souvent marche. Après ça, le plus souvent l'offre fait 2 accords ça yo, 2e, 5e à venir après. OK, dans un pile des cas. Ou pas que dans chant ça, il marche tout. Nous pas loin. Non, confiance là.
Renverser là. Aïe, deuxième renversement qui c'est. Au lieu que mi mineur, mi mineur. Oui, si y a une octave qui est bas. Ok. Venez, donne-lui votre cœur. Dès qu'il doit faire venir à sous sol là tout. Venez, donne-lui. Il n'a pas tellement fait défaut avec Jean, mais l'on suivi par deuxième. Non? Les Bibles, ok? Et nous vous disons confiant. Votre cœur. Voilà quelques chose qui Jean qui est capable de chanter ça. Pas négliger. Si vous appréciez ce travail à faire, bannez un pouce bleu, cliquez sur un like pour que la vidéo nous aille plus loin et nous-mêmes tout, c'est une façon pour que nous soyons capables d'encourager toujours notre travail à faire. Merci, à bientôt pour un nouveau tutoriel. Que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable de couvrir. Allez, à bientôt.